Ils nous ont malaxé jusqu'à la moelle, ils ont malaxé mon club, je m'y attendais pas, je pensais qu'on allait réagir, qu'on allait faire quelque chose. Le premier but, déjà, ils ont mis par terre Neuer, il a 37 ans, c'est un ancien, c'est une légende, ils l'ont fouetté par terre, ils l'ont humilié et ils lui ont marqué un but. J'ai vraiment été choqué de ce qui s'est passé. J'ai un petit sourire en coin, mais c'est vraiment nerveux, j'ai la haine, je suis dégoûté, mais je me rassure un peu en me disant qu'on les a fouettés par le passé tellement fort que des fois, faut accepter aussi le retour de bâton, mais c'est vrai que ce soir, c'est pas facile, ça fait mal, on est dégoûté, mon équipe est vraiment à terre, je sais pas comment ça se fait. On a essayé de bloquer tout le monde, mais Rafinha, il était dans un grand soir, c'était incroyable, je sais pas comment expliquer ce qui s'est passé, mais voilà, tout ça, c'est foot, faut être conscient, des fois on kiffe, des fois on souffre, aujourd'hui c'est un soir de souffrance, j'essaye de supporter la situation, c'est pas simple. Surtout que j'aimais énormément tous ces rendez-vous chaque année où je tabassais cette équipe, j'aimais être la bête noire du Barça, j'aimais les voir souffrir, avoir peur de moi, les narguer avant chaque match. J'aurais dû être plus humble cette fois, parce que là on perd et je dois rentrer chez moi discrètement et je sais pas comment je vais m'y prendre, c'est compliqué, je sens qu'on va me charrier pendant des semaines et des mois sur les réseaux sociaux, partout, à la télé. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, je l'ai fait pendant des années, à moi de supporter cette année.